Allez les amis, comment on se retrouve sous cette nouvelle vidéo de WWE SmackDown vs Raw 2010 en PS2. C'est parti avec Vladimir Kozlov. Putain, je l'aimais bien Vladimir Kozlov. Et il fait une bonne équipe avec Santino, c'était bien. Ah, je vais juste faire quelques nuits. Ah, bah après, je pense que oui, avec un gabarit qu'il est, il porte. Hein. C'était une bête le Vladimir Kozlov là. Ouh là là là. Vladimir Kozlov. Poté. Il mettait les coups de tête, je me rappelle, il enchaînait les coups de tête. Il prenait par les bras et coups de tête. Après, ce qu'il fait maintenant. Il y a le match Cédric Doumbé contre Baki. Une défaite pour Cédric Doumbé à cause d'une écharpe. Oh. Ah, mais il se faisait dominer. Provocation. Ça va le match. Troisième provocation. Qu'est-ce que je voulais? Oui. Slammed down and his lights are out. Maybe permanently.
soir. Quatrième provocation. J'arrive pas à faire le... C'est quoi le... Je comprends pas là. Je me rappelle de ça. Putting his body at risk here. Ouch. Oh, le seul truc que je vois, c'est le... On l'a vu, ça. Là, je suis n'importe quoi, là. Thank you.
franchement, ça m'emmerde parce que jusqu'à présent, j'ai réussi à le faire à partir d'Ibiassi. Alors qu'il faut le verser à la troisième corde. Alors que je l'avais fait. Des fois, il y a des trucs, c'est vraiment mal fait quand même. Non, tu vois, c'est... Ah si, bah si, c'est ça. Ah ouais, est-ce que je l'avais mal fait? Ah ouais, putain. Ouais, il se barre. Général russe. J'aurais bien en général. Le ring est général. Boum. J'aime bien cette technique, hein, Vladimir Kozlov. Vas-y, il peut porter. Troisième provocation. La dernière prise. Ah oui, il aura pas sa scène de fin, il vient d'arriver. Ouais.
Là, je crois qu'il a sa scène de fin. Là, j'ai l'impression, ouais. Ouais, sa scène de fin, ça. Ouais, ouais. Bon, mais voilà, les amis, hein. Dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires. Dites-moi tout. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. On se dit à très vite sur une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.